Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une nouvelle vidéo pas à pas, ongle en gel, pose pop-it. Oui, vous avez pu voir que depuis quelques temps, les pop-it étaient vraiment une technique qui revenait en force. La particularité de cette venue en force de la pose pop-it, eh bien, c'est tout simplement que désormais le pop-it a été décliné en plusieurs formes et ils ont été également conçus de façon à ce que nous puissions réaliser un vrai apex comme nous le ferions sur la plupart de nos poses d'ongles en gel ou en semi. Ensuite, il nous permet également de corriger des ongles à problème et c'est donc pour ça que désormais la pose pop-it est bien plus souvent proposée et je pense même que ça va être quelque chose qui à l'avenir va prendre beaucoup de place sur le marché de la prothésie ongulaire. Alors non, je ne crois pas qu'il éliminera complètement le chablon, mais je pense que il y aura quand même un certain nombre de prothésistes ongulaires qui proposeront de plus en plus ce type de prestation. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai poussé mes cuticules, j'ai préparé mes ongles et j'ai appliqué ma base de la même façon que ce que je le ferai sur une pose d'ongle classique en gel avec un chablon ou bien tout simplement avec un semi-permanent pour du renforcement ongle naturel. Donc là, vous avez pu voir que j'ai attrapé ma capsule de pop-it et que je viens déposer mon gel à l'intérieur. Donc vous pouvez très bien utiliser du gel ou vous pouvez également utiliser de l'acrygel. Ça, c'est vous qui voyez. J'ai posé mon pop-it, j'ai catalysé. Et vous pouvez voir que le résultat est très rapide et très naturel. Je vous en montre un autre. Allez, c'est parti. Vous pouvez vraiment gérer la longueur et c'est ça qui est très très intéressant dans ce genre de prestation avec cette gamme de pop-it, c'est qu'on peut vraiment avoir un ongle très long comme très court sans coupe de chablon et sans problématique que l'on pourrait rencontrer sur des ongles mal formés par exemple. On va avoir un effet très naturel et après le choix de la matière sera vraiment en fonction de ce que votre cliente va vouloir comme technique et également quel type d'ongle elle a. Donc vous pouvez voir que ici nous allons réaliser un baby boomer au sponge brush, un baby color. Alors oui, bien sûr, hein, le remplissage se fera exactement de la même façon que l'on procéderait sur un remplissage classique. Ici, j'applique ma finition.
Et voilà pour la pause pop-it. Maintenant, à vous d'essayer. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt!